je suis un passionné de légumes et je cultive un grand potager dans le sud de la Seine-et-Marne. Alors, j'utilise des produits de biocontrôle depuis une trentaine d'années. C'est un engagement personnel, c'est pour récolter des légumes plus sains, notamment pour mes enfants ou maintenant pour mes petits-enfants. Alors j'utilise contre les chenilles du Bacillus thuringiensis. J'utilise aussi pour me débarrasser des limaces, des barrières anti-limaces, c'est de l'argile, ou du phosphate sphérique, c'est les petits granulés verts qu'on dispose sur le sol qui va tuer les limaces qui viennent manger vos salades. J'utilise aussi des pièces jaunes. J'utilise du pyrètre et éventuellement on peut utiliser aussi des larves de coccinelles qu'on peut acheter dans le commerce pour introduire dans son jardin. Un produit de biocontrôle ne va pas remplacer un produit comme on l'avait autrefois classique pour détruire vos pousserons immédiatement. Il va falloir avoir des pratiques saines, une bonne graine en bonne santé, la bonne plante en bon moment, semer en bonne période, tenir compte du climat, bien amender son sol, faire des rotations de culture, avoir des associations entre les fleurs, les légumes, etc. C'est toutes ces approches du jardinage qui vont permettre au biocontrôle de bien réussir et d'être efficace. Les produits de biocontrôle ont ça d'intéressant et d'amusant, c'est qu'ils ne sont pas encore très connus du grand public. Donc quand on utilise des produits de biocontrôle dans son jardin, forcément on intrigue un peu les voisins, les copains ou les collègues. Ça génère des questions, ça génère du lien, ça permet de parler d'ailleurs et d'expliquer souvent comment ça fonctionne et de faire découvrir aux autres, par exemple lors de journées portes ouvertes, si j'ouvre mon jardin à la visite, c'est souvent les questions qui reviennent, c'est par rapport à pourquoi j'utilise tel et tel produit, comment ça fonctionne, etc. Il y a très certainement un manque d'informations sur les produits de biocontrôle qui demandent quand même beaucoup d'explications pour les jardiniers amateurs. Je pense que dans ce domaine-là, il faut que les ministères concernés, comme les sociétés qui fabriquent des produits de biocontrôle, viennent en aide aux associations de jardiniers amateurs pour faire de l'information. Je pense qu'il y a une panoplie à l'heure actuelle de produits qui est certainement à développer. Il y a encore des efforts à faire ou des produits à trouver ou à inventer. Mais en tous les cas, on est sur le bon chemin avec ces produits-là par rapport au respect de l'environnement, en tous les cas.